C'est juste que là, il faut vite regagner le lifelink, il faut qu'il soit 6-6 pour avoir du lifelink. Mais il peut piocher un land. Genre, il y a un monde où il a le droit d'arrêter de piocher des cartes actives. Putain, chaleur. Les mecs nous tuent à peste feu en serveur de test. C'est il est dégueu. C'est le pire. On clique. On clique. C'est le clic. C'est la dictature du clic de toute façon de nos jours. En plus, t'engageais mal. J'engageais. Pourquoi j'engageais mal? Il faut engager comme ça. Là, t'engages à gauche. Ouais, vrai. J'engage mes manas à gauche, moi. T'engages tes manas vers la gauche? Ouais. Et je t'embête. C'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Bah, je sais pas, tout le monde fait à droite, le symbole est vers la droite. Ah, peut-être, je sais pas. Peut-être que je fais partie de ces gens différents. Vous êtes différents, vous. Ah, c'est grave possible, hein. Je sais pas pourquoi, mais là, naturellement, j'ai envie d'engager à gauche, hein. Genre, tu prends ton mana, tu l'engages comme ça. Bah, ouais. Et je suis sûr que tu le fais pas. C'est vrai? Je te donnerai des cartes tout à l'heure. Tu ouais, donne-moi des cartes tout à l'heure. Et on joue contre Chi-Chi-Chi. Chi-Chi-Chi, donc la femme de Sangoku. La femme et demie. Du coup, si Chichi est la femme, Chichichi, c'est une femme et une moitié. C'est les maths. Hein. Alors, ah, je vais activer votre attention sur un truc après. Chichi est sa demi-sœur. Ah ben voilà, exactement. Simplement. En fait, j'aimerais bien qu'il me mette une bête, comme ça je fais double biomancie appliquée sur ça. Je lui trade une bête, j'ai en bounce 2. Et là le mec il fait « Oh, amazing, French player, they are so great !» Ah mais il va pas jouer en main phase 1, c'est cool. Ah oh, putain, il joue en main phase 1. Yes. Oula, yes. Il va avoir la célérité en plus, ce con. Il a dit, wow, ok, oh my god. Ouais, normal, tu peux dire que ça, hein. Bah, sauce-le avec maîtresse, vas-y. Je lui donne quoi, la célérité? Bah, je pense, hein. Allez. On a plus le temps, nous, hein. Et après, il repose ses bêtes et tu les engages avec ça, et... Il repose hein. Qu'une bête. Ça n'a aucun sens. Et là, je fais ange. Ah là là. Moi j'adore jouer contre des mecs forts et les satelliser et qu'ils fassent wow. Il what? What? Et il passe de je le sauce, le petit Frenchie, ouais. À il me sauce. Il devient bolognaise de type. Oh non, me dites pas qu'il va mettre deux bêtes. Oh putain, il a juste fondu. Le mec quoi. Il défend quoi, il est venu streamac. Ça fait quoi ça du coup? Laisse-moi donc lire. Ça, si je lui mets un marqueur, j'engage une bête, ça se dégage pas. Je veux gagner contre cet homme. Ouais, ouais, t'inquiète. J'ai envie de faire ça. Maintenant, là? Et il faudrait le faire, ouais, maintenant. Parce que si tu lui engages une bête, c'est pas mieux plutôt de bouncer quand il aura fait son play défensif le tour d'après? C'est pas mieux, là, d'engager une bête et saucer? Je sais pas, parce que je peux faire ça, ça, tu vois. Ah, mais non, c'est bon, j'ai gagné. À quel niveau? Ah, ça l'engage? Mais il va sur rage. Je savais pas que ça l'engageait en fait, je crois que c'était mon 4-0, mais en addendum ça l'engage. Yes! Merde, j'ai mis, t'as pas le micro, excusez-moi. Le mec a fait de la tectonique, t'as complètement craqué. Waouh, allez voir sur son stream, je veux que vous clipiez le moment là. Ah my god! Ah, on demande Donald. Merci. Attention, voici encore son marin spectral. Ah, dingue. Ah, le revoici. Bon, il est où Sevitch qu'on lui lave le cucu comme à chaque stream? Allez, viens là, là. À chaque stream event. Mais il joue plus à Magic, lui. Ah, c'est vrai, merde, tu es con, putain. Allez, c'est parti. Non, mais parce qu'un stream event sans laver le cucu à Sevitch, c'est pas un bon stream event. En même temps, là, on fait moins d'heures sur ce stream. Ouais, c'est vrai. Donc, on a moins de chances de le taguer, ouais. Tu feras moins le sniper, quoi. Oh, ça aurait été incroyable que c'est juste après, ouais. Ça aurait été fou. Pioche toutes les cartes que tu veux, Yugi. Je joue mon grand-père, le maudit. Je joue Nezahal, Marie Primordiale. J'y vais. Ah, vas-y, all-in. Ah, j'y vais, bah. Allez, all-in. Mets tout. En vrai. Tout, et après on va aller tourner mono rouge. Que là ça va péter les... On va va bien saoulé là. Bien bandé cette histoire. Oh, le pire truc, je sais même pas quoi dire. T'sais.
Incroyable. Je sais qu'il faut pas, en réponse, faire un truc. Il faut laisser résoudre et tu remets. Sinon, il copie son sinistre. C'est pas son deck qui est fort, c'est le pilote. C'est le pilote. Si ? Non, c'est le deck. Ah, c'est le mélange. En fait, il a tellement bien mélangé que tout est sorti. Et lui, il a eu le droit de mélanger à la main. C'était bizarre comme juste mélanger. C'était une... Ça se mélange pas, ça, je crois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous a fait rire. Ceux qui sont venus pour du gameplay, un petit peu désolé. Je précise juste qu'il y a des gens qui mélangent comme ça, vraiment. Oui. Je le précise juste. Tu fais ce que tu veux, voilà. Ça ne nous regarde pas. Et c'est la fin de cette vidéo, voilà, je ne relancerai pas. Top 1000, mais 1011. Top 1000. En fait, il y a le top 1000, et c'est un petit escalier. Et les mecs sont là, attendez-moi. Et toi, t'as mis un pied sur l'escalier, t'as fait, hey. Tu vois, tu t'as posé en fait avec des cosplayers, mais toi, t'es pas déguisé. Tu vois, t'es ce type-là. Genre, on rentre vous dans aussi, la salle. Si vous avez fait des conventions, vous avez vu ce type. Merde, Chocla. Ah là, c'est Chocla. Hein. Ah, mais là, c'est Chocla, praliné, feuille d'or. Tout quoi. Et zeste de citron du Japon. Citron du Japon, bien joué. Avec une feuille de ginkgo biloba. Je sais pas ce que c'est. C'est un arbre. C'est un arbre, ok. Avec des feuilles stylées. Moi je suis plutôt platane, saule. Moi je suis plutôt chêne et platane. Je suis plus boulot, moi. T'es boulot, le boulot. T'es boulot, quoi. C'est le boulot, quoi. Ouais, ouais. Moi je suis plus sakura. Ah ouais. Une semaine dans l'année. D'accord. C'est noble comme. Tu parles de la petite fille qui capture des cartes ou rien à voir? Non, les fleurs de cerisier. Ah, voilà, on y vient. Les feuilles de cerisier, pardon. Les feuilles de rose. Mais les fleurs ou les feuilles. Les feuilles. Ah. Pourquoi on dit la feuille de cerisier? Et la fleur de cerisier. En gros, c'est les arbres qui ont des feuilles roses. Tu vois, j'utilise le pire nom d'arbre. Le hanami, je crois. Enfin, je sais pas si c'est des fleurs ou un arbre. C'est le tiare. La fleur de tiare. Mais ça, c'est des shampoings, ça. Mais des shampoings, oui, au fond des odeurs avec ça. Ah ouais. Ça ressemble trop à diarrhée. C'est pas faux. Mais on divague de ouf alors que le deck est vraiment intéressant. Ouais. Mais en fait, il fait tout seul. Et le mec se bat, genre. Alors que nous, on est en voiture, on fait bah alors, tu te traînes. Et lui, il court, il est à pied, il fait ah, j'arrive, c'est bon. Non. Est-ce que t'as Mystic Up si jamais tu Vivienne? Oui. Eh oui. Et oh, oui. J'ai des petits guillis dans le ventre là quand je joue ça. T'as vu? C'est genre bien. Quand tu dis le ventre, tu parles de la zigounette ou pas? J'ai des guilis partout. Ok. Ouais, ça. Hein. Genre le bas du ventre le plus bas possible. La région bodital. Ok. Ping le don, tiens, l'électromancien. L'électromancien? Ouais, ouais, comme ça, s'il veut rejouer un sort, bah, il le perdra, comme une perdrix. Bah non, mais en fait, il va attendre que Niv soit mort et il jouera son sort après. Je dis n'importe quoi et c'est vraiment sympa. Oh, c'est fou. Et ça me fait pas pleurer de rire, hein. C'est vraiment une allergie. Mais j'espère qu'il y a des gens qui nous découvrent avec cette vidéo. Et là ils se disent le mec a pas de cheveux, il est un peu con quand même. Il est joueur, il joue au jeu. Il joue pas trop au jeu lui. Oh putain. Non mais en vrai on est frais là. Non mais en vrai c'est pas si fort. Dédicace à cet homme qui lors des conventions, enfin les tournois Magic, prenait des photos à côté des butt crack. Est-ce que t'as déjà vu ça? Non, c'est quoi? C'est un mec qui il allait genre dans des tournois Magic, genre des GP et tout, et dès qu'il y avait une raie apparente, la raie du maçon, ah, putain. Il se mettait comme ça accroupi. Et des fois il avait une petite larme et tout, et il y avait une galerie photo. C'était incroyable. Horrible. Tu crois que t'as déjà eu une raie apparente toi en tournoi Magic? Oh, c'est sûr. Ah ouais? Il y a toujours une raie dans moi, un je tournoi crois pas, Magic. Hein. Mais on fait que des bonnes mains, j'ai pas mulligan une fois. Eh ben, j'ai c'est pas bien. Mulligan une fois. Mais de toute façon, est-ce que t'as déjà mulligan dans ta vie, Pierre-Louis? Pour rigoler. Ouais, voilà. Mais... pour voir ce que ça fait. En fait, moi je jouais, au bout d'un moment, je vois un mec qui remélange, je fais qu'est-ce que tu fais? Il triche. Et il m'a dit bah non, c'est la tu règle. Tu peux faire ça quand t'as une je mauvaise fais, main. Non, mais t'as forcément une main de départ correcte. Je veux dire, c'est généré pas aléatoirement. Tu veux quoi? Il me dit bah non. Et moi j'étais choqué, je suis tombé des nues. Tu choisissais, tu mettais 3-4 terrains et des actifs. Mais non, mais je veux dire, je piochais, c'était toujours bien. Okay. Donc il n'y avait pas de. Ok, pas de problème, d'accord, quoi. Je comprends. Du coup, le type me fait. Bah non, il m'explique, tu vois. Putain, depuis quand? C'est pas bien, il m'a dit depuis le début. Je lui ai dit, mais le début. Le début. 25 ans, là, genre. Le début.